Bonsoir tout le monde. On va juste corriger mon nom, c'est tout manière un peu tantôt. Mon nom c'est Constant Roachus. Je suis grand chef de la Nation du Québec, ça va faire bientôt un an. Exactement le 4 septembre. 4 jours avant la journée du petit Malcolm, puisque j'ai déclaré la souveraineté sur le territoire du Québec. Cette idée-là n'est pas venue en 4 jours. On a s'amuré pendant plusieurs années au sein de la Nation du Québec. Mes prédécesseurs en avaient parlé il y a de ça 10 à 15 ans. C'est ça, c'est pour moi qui ai inventé ça. Mais j'y croyais. J'y croyais parce que, en réalité, comme vous savez, ben, ce que j'essaie d'expliquer depuis que je suis là, c'est que le Québec, c'est quand même assez particulier. Les territoires n'ont pas été cédés, vendus, échangés, peu importe. On n'a pas statué autrement sur le territoire. Les Premières Nations n'ont pas. On n'a pas fait ça, d'exception, vous savez, la Convention de Beijing, parce qu'il y a une convention qui est venue. Restreint les lois, il a encore des lois, mais nous, chez les Alcanais, comme chez les Algonquins, nous, avec Marc, Kabelaki, on n'a pas de traité jusqu'à aujourd'hui. Donc, le territoire, oui, on l'utilise, on l'occupe, mais aussi la population, on a fait qu'il l'utilise, qu'il l'occupe. Donc, là-dedans, tout on se demandait, après avoir étudié en quoi, c'est sûr qu'on comprend plusieurs choses. Le territoire actuellement au Québec, c'est, on peut dire, une zone grise. Pour nous, c'est notre territoire. On va toujours être ici jusqu'au jour où on pourrait régler la question qu'on va traiter. C'est ce que j'ai suggéré au gouvernement. Je sais qu'on est en négociation de traité, ça fait 35 ans. Mais, donc, je suis nouveau vraiment dans la politique. Puis beaucoup de gens de mon âge, on croit qu'il n'y a pas eu bonne foi du côté du gouvernement. C'est toujours assez gagné du temps pour pouvoir exploiter le maximum avant que l'élastique pète. Je pense que l'élastique est pété l'année passée. On est là, nous, on est une belle génération. On est de plus en plus nombreux et on veut bénéficier de ce qui est exploité dans le pays. Je sais que chez les Autochtones, il y a une dualité. Aujourd'hui, on vient parler de souveraineté, mais là, on dirait que je suis poussé par la protection de l'environnement pour écouter le discours. Mais nous, naturellement, les Autochtones, on est attachés à la terre. On est attachés à tout ce qu'elle nous donne. La chasse, la nourriture, les fruits, toutes les plantes médicinales qu'on va chercher dans la forêt. C'est très important pour nous. Et en même temps, il y a ce côté où on est pauvre, on voit la surconsommation, on voit le capitalisme nous entoure. On est en accident. C'est les pays les plus consommateurs sur la planète. Et nous, en tant qu'Autochtones, on observe ce qui se passe autour de nous. On voit comment quand ils s'enrichent autour de nous, comment la société se développe sur le dos de nos territoires, de notre terre. Nos génies ont diminué. C'est pas comme ça avait été auparavant. Même la ressource, le poisson aussi, ça a diminué dans le territoire. C'est des choses qu'on, nous, en tant qu'Autochtones, ça nous inquiète. On veut bien protéger, mais en même temps, on veut participer au développement. Participer au développement pour telle raison. Parce qu'on a besoin de s'éduquer. De nos jours, s'éduquer, ça peut être bien. On aimerait ça mettre plus de ressources dans l'éducation de nos jeunes, mettre de l'argent dans leur matière grise, pour qu'éventuellement ils puissent développer un monde meilleur, une nation meilleure, partager nos connaissances, partager notre culture, essayer de convaincre un par un comment nos connaissances sont importantes, comment nos connaissances sont appropriées pour la situation actuelle de ce qu'on veut. C'est tout. On est rendu dans un point tournant où l'humanité, on est tellement nombreux sur la Terre,
nos ressources ne sont pas infinies. C'est sûr qu'il y a des ressources qu'on peut renouveler, on peut créer comme l'agriculture ou ces choses-là, mais il y a des ressources minières ou l'eau. Ce ne sont pas des ressources qu'on peut vraiment renouveler. Nous, on pense à ces choses-là, en fait. Donc, naturellement, on est protection de l'environnement. On est protecteur de l'environnement. D'ailleurs, à travers des légendes, il y avait des prophéties où on avait été choisi par le Créateur comme étant protecteur de l'environnement. Moi, je ne peux pas faire vraiment ces choses-là. J'avais des expériences incroyables avec des aînés. Des choses que je croyais inexistantes, je croyais que ça faisait des contes de feu, je crois, quand j'étais plus jeune. Mais ils m'ont montré qu'il y avait des choses inexplicables dans la vie que je n'étais pas capable d'expliquer. Ils m'ont rendu croyant à notre culture, croyant aux forces que les autochtones détenaient par rapport à la spiritualité. Ça m'a rendu plus fort face à la protection de l'environnement. Mais il y a quelque chose, par exemple, qu'on m'a dit aussi, il y a du développement. On m'a dit, il va toujours avoir du développement, on ne pourra pas l'arrêter vraiment. On peut essayer de mallier le développement. Mais le plus important, c'est d'en bénéficier le plus possible en tant qu'autochtone. Parce qu'on a été désavantagé pendant plusieurs années, des siècles, parce qu'on a été mis de côté. Et c'est pas juste nous, hein. Il faut réaliser que c'est la population en général, pas juste les autochtones. C'est la forêt avant, c'était pour qui? C'était pour les coureurs des bois qui exploitaient la fourrure pour les grosses compagnies. À ce moment-là, c'était ça la grosse business, c'était la très bonne fourrure. Mais c'est militaire de la foresterie, la chasse, jusque dans les années 70, c'était pratiqué par des riches américains qui venaient dans nos territoires. D'ailleurs, chez les Américains qu'on appelle les Américains, Pachetonnais, ça vient du mot Boston, parce qu'ils venaient tous de Boston, ceux qui venaient dans le coin de la territoire des Américains. C'est des riches américains qui venaient pêcher, qui venaient chasser. Utiliser l'air des guides d'Escamin ou ailleurs, peu importe. Mais c'est ça, c'était des riches qui avaient accès à la forêt jusqu'à les années 70. Là, dans les années 70, oups, il y a des autochtones qui commencent à être de plus en plus éduqués, qui sont de plus en plus au courant de ce qui se passe autour d'eux, qui commencent à se lever pour revendiquer leur droit, protéger leur droit. Ben, t'as pas vu, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va voler la forêt tout le monde. Hein? Tout le monde peut aller à la pêche, tout le monde peut aller à la chasse. Tous les Québécois peuvent aller à la chasse. On va envahir le territoire de cette façon-là. On va mettre la population en général contre les Autochtones. C'est ça, en réalité. C'est ce qui est arrivé. Mais tout le monde, aujourd'hui, tout le monde, c'est des chasseurs. Hein? Au début, c'était la particularité des Autochtones, c'était des bons chasseurs, des bons pêcheurs, qui connaissaient tous les endroits avec les meilleurs gibiers, les meilleurs poissons. Mais aujourd'hui, c'est un melting pot. Il y a autant d'Autochtones qui sont des bons chasseurs, des bons pêcheurs. Hein. Que des non-Autochtones qui sont bons chasseurs et bons pêcheurs aussi. Mais il faut juste réaliser que, parce que je le disais tantôt, c'est. Tout le monde était désavantagé pendant un certain nombre d'années. C'est pas juste nous qui étions désavantagés. Jusque dans les années 70, la population générale était laissée de côté. C'était encore dans le temps de l'Ouest. C'est 20%. C'est désolant, mais c'était comme ça hein, à l'époque. Il y a eu la révolution tranquille. Les Québécois étaient un peu de côté avant la révolution tranquille. C'est pour voir qu'il y a eu une révolution tranquille. Pour voir qu'il y a eu la création du bloc québécois. Avec les mouvements des années 62 à 68. 68, je crois, c'est l'année où il y a la création du Bloc québécois, du Parti québécois. Les gens, je me souviens plus des noms, c'était deux groupes différents qui se sont liés ensemble. C'est un événement qui est devenu chef du Parti québécois, et ainsi de suite. Les élections ont commencé par les
quelques représentants, c'est au début, je crois, par la suite, ils sont devenus nombreux, c'est que j'avais 75, 82, c'était la séparation, la souveraineté du Québec. Deux fois, ça n'a pas passé. Troisième fois, elle ne sait pas. Mais, les questions s'imposent encore aujourd'hui. Tantôt, je parlais de la tour grise. Qu'est-ce qu'on fait avec les Autochtones? On a le beau discours, cette question. Qu'est-ce qu'on fait avec les Autochtones? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous accepterez une séparation du Québec? Tant que ce ne sera pas clair pour les Autochtones, je pense que ce ne sera pas acceptable pour les Autochtones. Ça ne sera pas sans les Autochtones. La séparation du Québec. Quel sera le rôle d'être des Autochtones dans un Québec souverain? Il faut penser à toutes ces choses-là. Et comment je pourrais dire ça? Nous, les Autochtones, il faut régler la question du territoire. Jusque dans les années 70, jusqu'à l'ère Calder, en 1972, je crois, il y avait. La première fois, on reconnaissait les droits autochtones. Mais au Québec, c'est encore la négation des droits autochtones, parce que dans les années, même suite à la récorda, cet arrêt-là n'était pas applicable au Québec. Il était comme mis en suspens. Parce qu'on ne reconnaissait pas les droits des autochtones au Québec. Là, il y a eu des cris qui se sont soulevés au nord. Ils n'ont pas eu le choix de se rendre à l'évidence que c'était pas distinct du reste du Canada au Québec. Les droits, les Autochtones, les droits. C'était la Nouvelle-France, c'était pas les terres de la Nouvelle-France. Les Autochtones ont des droits au Québec. C'est que c'était comme la petite claque dans la face qui est venue en 70 pour face au Québec. Les autorités québécoises ne connaissaient pas les Autochtones. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a une évolution. Que je l'espère. Une évolution CNSSC au Québécois, c'est ce qu'on réalise parce qu'on partage beaucoup de choses en commun avec les Québécois. On ne peut pas se cacher au Québec, les gens du Québec trouvent important le territoire, vous trouvez important l'environnement, vous voulez protéger l'environnement, les ressources, comme les Autochtones. Contrairement un peu à Canada anglais, où c'est plus. Exploitation, mais ici, il y a comme cette graine-là au Québec de vouloir partager, protéger le territoire, de protéger l'environnement. Je pense qu'au Québec, il y a cette conscience-là au Québec. Et quand même, c'est beaucoup, mais d'où ça vient, ça? Je me posais souvent la question avec les jeunes. Comment ça, les Québécois sont distincts de cette façon-là? Puis, à force de discuter, regardez, c'est qui les Québécois. Donc, on regarde l'histoire du Québec, où sont arrivés, qui s'est mélangé. Pour arriver à la fin, à réaliser qu'au Québec, il y a peut-être 80% des Québécois qui sont indiens qui collent dans le vent. J'aime ça. On aimait ça dire ça en nous autres. Hein, en chant. Mais c'est peut-être que ça vient, ça, d'essayer de protéger l'environnement. Mais c'est ça. Là, nous autres, on parle de la souveraineté québécoise aujourd'hui, sur la vie avec ça. C'est-tu possible de réconcilier? Parce que possible. Mais ça, il s'agit juste de clarifier quelle serait la place de l'église autochtone aujourd'hui. Je sais que dans les années 70, il y a eu le rapport d'Orion, je crois. Parce que le rapport d'Orion parlait de reconnaître les droits autochtones, parlait de s'asseoir avec les autochtones, de régler la question des retraités, de promouvoir, la race indienne dans son rapport. Il parlait de la race indienne, de promouvoir ça. Moi, je pense aujourd'hui que c'est plus pour voir la culture ou voir les langues autochtones. C'est quand même des langues, moi, je la trouve extraordinaire. Moi, en tant qu'Escalien, je la trouve tellement extraordinaire.
pourrais vous expliquer des choses par rapport à l'argent qu'on utilise dans des cérémonies. Même si je vous l'expliquerai aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait dans notre langue. Qu'est-ce qui se passe dans des cérémonies. Peut-être que vous croyez qu'il n'y a pas. Parce que vous ne croyez pas, comme je disais tantôt. Notre langue est très importante pour pouvoir dialoguer avec tout ce qui nous entoure. Pour ça, il faut, d'une certaine façon, oui, on voit la race autochtone, la race indienne, comme vous disiez. Mais, encore revenir à cette question-là, c'est-tu réconciliable? C'est à vous, mais à me donner confiance par rapport à ça. Merci, Marouane. Si vous avez des questions, peut-être à répondre tantôt.